Salut tout le monde, c'est Dizzy. Ça se voit, ça se voit. Oh, oh, Jax, oh, j'espère que vous allez bien. Le best-of du jour sera séparé en deux parties. En première, les streamers, et en deuxième, le match K-Corp contre les streamers. Pas ton E, si tu mets ton E, tu le mets pas contre le mur, tu sais pourquoi? T'inquiète pas, parce que sinon ça fait tout le tour. Oh. T'es chaud, mec. Donc là, Shrek était en coaching avec un abonné. Non, t'es chaud, tu fais la théorie et la rhétorique. En fait, Dagan 6, les gars, il est trop heureux, mais il est vraiment fatigué. Je suis très fatigué, les gars. Je pensais que j'allais me reposer ce week-end. Vous savez que nous, on nous a dit, ouais, Villa LEC et tout, ça va être trop bien, vacances. C'est pas des vacances, les gars, à l'aide. À l'aide, aidez-moi, c'est pas des vacances. Je me sentais obligé de mettre un clip du live piscine. Darius, tu as peut-être un mental de winner. Et moi, j'ai des doigts de gagnant. Je n'ai pas de mental, mais j'ai des clics. Est-ce que c'est le mental qui gagne ou bien c'est les clics et le talent pur? Mais allez vous faire foutre! Ah! Oh, ce karma. Oh, la passion qui m'a sauvé. Allez hop! Allez hop! Je m'en fous, venez vous battre! On est parti avec Lumens qui a eu de très bonnes Evelynes. C'est propre. Oh, je suis tellement pas dedans, je suis mort du coup. On est dans une seconde. Non, je voulais pas back. Ok, c'est bon. Oh, le flex de fou. Je l'ai flex dessus sans le vouloir. Je vous jure, je voulais pas back. On est parti avec Digger Wax qui se prend pour Stray. Ça va, vous? Ah, ça va, mec? Oh non. C'est l'heure de la frappe. Oh non, j'ai raté la hache. Oh non. Oh non. Eh, faut que je me sustain. Revenez là, c'est l'heure de mon pinta. Viens, Vic. Putain, le poulet, frère. C'était close, hein. Content. C'est pas, tu peux me faire? Je t'ai mis! Ça, c'est bon. Le flash pour dodge le E de Léonard. Ton roi Louis qui est passé des châteaux Minecraft à OTP Eco Master 70% winrate. Roi Louis qui, non, qui nous a fait honnêtement un virage étonnant, mais. Je sais pas si des gens connaissent Roi Louis. Ouais, je vais dire Opti! Ouais, Opti. Tu veux des 7 CS? E. Ouais. Hop, W. Hop, auto, core drinker, Q. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Si tu loupes ce canon, je t'assure que je rage-quitte ce stream. Oh. Fils de pute, j'ai cassé les couilles. Je vais aux toilettes. Oh, chier. Et on est parti sur un clip de Gob qui a la vie d'un tue tous. Gob, on les tue, ça, je vais, on les tue, on les tue. Je suis inarrêtable. Non, vous pouvez pas. Non, non, tuez-le. Hein. Je suis inarrêtable. Okay, je meurs pas. Oh, c'est trop fort ton bois là ici. Dieu, frérot. La meilleure botlane du monde. Ah merde, j'ai pas regardé l'écran. Merde, il est où? J'ai oublié. J'ai oublié que Twitch existait. Allez, on est parti avec les clips de la K-Corp. Il y aura ma tête sur le côté et je vais pas commenter pour vous laisser tranquille. Pour plus d'immersion, donc je vous souhaite un bon visionnage. Et ça me fissure toujours, parce que Réa a décidé de le comparer avec un autre joueur plutôt pas mauvais sur la mid lane. Vous le voyez ici. Voici les stats officielles de Seiken et Faker en phase finale de tournoi après les phases de groupe. Seiken a théoriquement un meilleur Azir,
C'est... Typiquement, oui, c'est vrai qu'on voit un meilleur Azir. Après, sur Ryze, il est un peu en deçà. Mais bon, le Ryze de Faker se respecte, mais pas mal. Bonne stat, bonne stat. Attention, ça, bravo, attention. On va avoir un 2v2, on va avoir un 2v2. Et il est loin, ce 2v2, Cabo. Il va ulti sur la Sejuani. Il va dodge, il va... Oh là là, oh oui, la dédicace. Let's go. Le cram. Ah, il va dash out. Dommage en vrai. Cette Sejuani elle rôde. Juste faire attention avec ça. Là, là, attention, pas, là. Ça peut aller vite, là, ça peut aller vite. Ouais. Ça peut aller vite. Targamas, ok. On va go in sur Supa. Avec l'ulti Senna. Avec l'ulti Senna. Non, oh, non. Oui, c'est bon. Oui, Targamas, il va récupérer le kill. Targamas, faut s'en sortir maintenant. C'est pas mal, c'est pas mal. Un pour un, c'est bon. Tu as Zir avec Targamas, il connecte aussi. C'est grand petit penché sur S3 qui a pas de flash. Mais pendant ce temps-là, il y a presque oui qui est très avancé. Oh, les streams. Il est très avancé. Presque oui, faudrait essayer de punir ici. Ce Sylat qui se repositionne pour le moment. On n'a pas forcément les dégâts. Oh, Alvaro. Alvaro, c'est pas mal ce qu'il opère ici. Syncroft est manifestement condamné. C'est un pour un. Attention à la tornade de Kalist. Il isole le fight. Superbe flash de la part de Supa. Il kite magnifiquement. Attention à l'effet Zeri. Attention, attention tout de même à ce Sylas. Oh, venez ici sur Kalist qui t'embrouille pour le flash de second. Il est sublime. Vous arrivez à gagner du temps pour la carte. Kalist qui veut continuer de fight ici. Kalist qui regarde l'ultimate. Et c'est un fight game pour la carte de Corp qui est pour la France. Une fois de plus sur le fil. Ça c'est bon, ça joue putain. Cette wave. Normal, hein, semi-game il est un peu plus compliqué. Kalist. Oh les dégâts, le crit. Oh, oh il a cancel. Il a cancel. Oh là là. Oh là là. Ouais. Ouais. Il est monstrueux ce petit. Il est monstrueux. Reste là. T'es trois frères. Je vais rien faire avec ta Zeri. Incroyable. Sublime. Là, il est trop chaud. Oh, il est chaud. Là, il y a un fight là. Avec un bon ulti Yasuo. Il faut lui trouver des bumps. Un Q3. Un Q3 de Cabo, ça peut être bien. Ah non, okay. La pluie, ouais. Okay. Allez, attention. Attention. Allez, faut que Sylas. Sylas. Il y a un shutdown, Sylas. Allez, oui, putain, putain, shutdown. Putain, allez, les gars. Putain. Oui, Kalist. Kalist qui va goer tout seul. Kalist qui va goer tout seul. Il a un. Saken. Saken qui enchaîne les kills. Il a. Il a raté. Et on se protège avec Cabochard qui tente le kidnapping, mais l'ultimate est parti. Ah, il s'est fait cancel, Alvaro qui s'est loupé un petit peu, Cabochard qui est pas trop mal, regardez presque vu sur le côté, qui est zoné, Cabochard qui veut re-engage ici, on va partir du côté de Kalist. Kalist avec presque vu qui est vraiment en difficulté contre 3 joueurs, qui peut pas faire grand chose, qui se fait découper par Kalist, c'est 5 Double kill de Kalist sur une partition impériale. Est-ce qu'on peut finir la game top lane? Il y a une wave avec un méga creep qui est en train d'arriver pour la casser. On n'a plus de carry en face, on n'a plus de support. On était pas sûr. Saken, je sais pas quoi, Saken, je sais pas si. Mais Saken, on a eu Master. Y'a personne qui le regarde dans les yeux. Y'a personne qui le regarde dans les yeux. Vous laissez Azir open. Y'a personne. C'est peut-être du côté de Kalist, Noix, et on a repris les choses en main. On revoit ce 1v1 notamment. Avec du coup le passif de Kog'Maw, je crois. Allez, le flash au corps à corps pour rien monter. Après derrière, un flash out et il n'a pas pu s'enfuir. Le Kog'Maw. Eh oui. Allez, Kalist, hein. Échauffe-toi, échauffe-toi. Oui, oui, frère, ça va repartir. Match-up. Ouais, ça laisse respirer, là. Ouais, c'est ça. Eh oui, Réa. Je sais pas ce qu'il a dit, mais... Je sais pas ce qu'il a dit. Ça reste 3000 gold, mais bon. Ouais. La game est pas encore... Un Q3. Ok, peut-être sur un Odin. Là, c'est Joanie derrière. Hein. Oh. Alors, là, il y a les passifs. Sais, ouais, il sait en plus. Il y a le passif, il croit. Allez. Et là, par contre, il y a un monde. Ah, c'est Renekton. Hein. Renekton, ouais. On a deux tanks et c'est Renekton. Allez, faut le tuer vite, faut le tuer vite. Faut le tuer vite, on va pas le tuer, Cabochard. Il y a l'ultime Maokai, le Q3. Allez, yeah. Oui, Cabochard qui va prendre le kill. Syncroft qui va tomber par contre. Non, Syncroft qui survit. Attention, attention. À Sulti Ezreal. Oh, le sidestep. Il va survivre. On va attraper Alvaro. Et peut-être retourner 7ème l'ulti. Est-ce qu'on peut le tuer? Il va pas mourir? Il est mort. Le Liandry. Le Liandry. Oui, ça cun. On a toujours le héros de la faille, il y a un dragon. Pour la Carmine. Oh, il s'est fait cancel, je sais pas, il s'est fait cancel, il pourrait se faire attraper ici, les ventes de l'ultimètre, on rappelle de plus qui va connecter. Et Kalist aura lancé droit pour récupérer supplémentaire. Oui. Zeratuden, attention, Supa. Okay. Il est fou, frère. Il a ulti en plus, non? Ok, on a dodge le E.
Ouais, il a ulti, avec sa... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah, ce que j'ai vu. Mais calme-toi, petit. Calme-toi, petit. Non, c'est trop wesh. Oh là 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 là. Oh, la mienne. Enfin, Syncroft encore, hein. Syncroft, t'es très avancé, mon pote Syncroft. Ah, mais est-ce que tu veux engage sur ce Maokai? Bah oui, oui, ils veulent. Ouais. Ah, ils veulent. Il était loin, ça, Kaliste. Ouais, mais Kaliste est loin. On se reloupe un petit peu pour Red Ramas, mais on a pris le flash du Xeras, ce qui est pas mal. C'est bien. Maintenant, on n'a pas de choice à follow-up. Quoique, on va aller chercher Alvaro. C'est loin. Ah, attention, il faut protéger un petit peu Isma qui s'est avancé. Marky qui n'arrive pas à trouver le corps à corps, qui va essayer de se jeter. Il avait l'ange gardien. Kaliste, l'ulti qui temporise. Il s'en va loin, il marche. Oui, Kaliste. Oui, c'est bon. Taken a parti sur Imperia et je le sacrifie pour ça. Oui. Et on va faire quelque chose. Tout droit en vide. Oh, Taken, mon gars, qu'est-ce que tu es grand. Quel... Targamas, okay, Souba qui va flash out. Ok, ça flash. Allez, Souba qui va tomber. Ouais. Allez, les amis, c'est fait. On est champions. Ouais. Let's go. 4 fois sur 4. Let's go. Ah. Scénario de rêve, c'est sublime. Quelles belles images. Mérité. Et Kaliste, 17 ans, cette finale qu'il vient de jouer, ses moves sur cette Xayah. You're their MVP. Moi, comme dit, mon objectif, c'est de gagner les Worlds et de devenir le meilleur ADC du monde. Donc, comme dit, j'ai encore du temps devant moi et je vais pouvoir tout donner pendant longtemps pour essayer d'accomplir ces objectifs. Mm-hmm. Et peut-être que j'ai trouvé la maison pour. Merci à tous d'avoir regardé ce best-of, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se retrouve demain à 14h pour une nouvelle vidéo.